C'est un projet que j'appelle Aérissage. C'est des sculptures suspendues qui interagissent avec leur environnement, avec tout ce qui se passe autour d'elles en fait. C'est des sculptures qui sont composées du coup d'un moteur, d'une voile et d'une structure. Et l'idée là c'était de partir d'éléments du mobilier urbain. Du coup c'est des formes en fait qu'on va retrouver dans la Villette sur les folies, sur les choses comme ça. Par exemple le rond qui est là sur le bleu et jaune, c'est une forme qui est sur une des grues sur la Villette qui est au fond là-bas. C'est un environnement qui est assez inspirant en fait pour moi finalement la Villette dans le sens où c'est plein de petites formes, de petits objets un peu amusants, un petit peu avec de l'humour et des choses comme ça. Et je pense que ouais, c'est justement là où le lien se fait en fait entre les pièces que je présente et le parc en fait, de façon générale. Moi ce que je trouve intéressant c'est justement que finalement l'artiste soit sur place pour expliquer son projet. Nous ça nous permet aussi finalement d'avoir aussi des retours directs de la part de personnes qui sont pas forcément du milieu de l'art et tout ça, qui sont assez intéressants. Et d'expérimenter des choses directement dans le lieu d'exposition en fait c'est assez rare finalement.